Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On attend juste quelques instants le temps que les frères et sœurs se connectent. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des vrais croyants, il dit dans le Coran: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah azza wa jal dit, certainement, seuls sont les vrais croyants, ceux qui croient en Allah. Ceux qui, lorsque Allah est évoqué, leur cœur s'emplit de crainte. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et ensuite il dit, ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce qu'on leur a attribué. Et Allah Azza wa Jal ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal le dit au présent. Faire le mudari' en arabe. Wal mudari' yufidu l'istimrar. Et le présent, lorsqu'il est utilisé en arabe, et qui sert à la description, donc il indique la constance dans le temps. Il indique la constance dans l'action. C'est-à-dire, et qui accomplissent la prière. Il n'a pas dit qui accomplissait et c'est terminé. Non. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ ceux qui accomplissent la prière, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ et qui donnent la zakat. Pourtant la zakat, c'est quelque chose de ponctuel, mais ils la donnent avec régularité, c'est-à-dire tous les ans, avec constance, ils font partie de ceux qui donnent la zakat. Allah tabaraka wa ta'ala, donc, il nous indique que, et ensuite il nous dit, ceux-là sont les vrais croyants. Les vrais croyants, ce ne sont pas ceux justes qui ont cru un moment. Ceux qui ont laissé la foi remplir leur cœur un moment. Ceux qui se sont laissés prendre par la vague, par exemple la vague de la motivation du mois de Ramadan, et qui ont adoré Allah quand les diables étaient attachés. Non, les vrais croyants, ce sont ceux qui, ils continuent à accomplir la prière, ceux qui continuent à donner de ce que Allah Azza wa Jal leur a attribué, ceux qui continuent les bonnes actions. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des gens qui obtiendront le succès, il ne dit pas seulement qu'ils ont dit que leur Seigneur était Allah, mais ils ont dit que leur Seigneur était Allah et ils ont pris le chemin de la constance en cela. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui ensuite ont pris le chemin de la constance, istaqamu, ils ont pris l'istiqam à la droiture. Alors il n'y aura aucune peur sur eux et aucune tristesse. Ceux-là seront dans la sécurité, aminoun yawm al-qiyama, ils seront dans la sécurité le jour de la résurrection.
Mais quelles étaient leurs qualités? Eh bien, ils reconnaissaient Allah comme Seigneur et ils ont pris le chemin de la constance, de la droiture dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient constants dans le fait de croire en Allah et constants dans les bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, il dit à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Prends le chemin de la constance comme cela t'a été ordonné, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Il ne suffit pas d'être un croyant, mais il est important d'être constant dans sa foi, d'être constant dans les bonnes actions. Et Allah Azza wa Jalla nous indique un des chemins de la constance, c'est le repentir. Revenir vers Allah dès qu'on dévie. Ne pas se laisser dévier. En effet, car la base pour celui qui a cru, c'est le fait qu'il reste accroché à sa foi. Et s'il en décroche, c'est que lui-même, il s'est détaché. Alors si tu te détaches, reviens vite. Repends-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as fait un péché que tu avais délaissé dans le Ramadan, reviens vers Allah azza wa jal. Ne reprends pas les habitudes avant le mois de Ramadan. Tu as délaissé une bonne action que tu faisais, reviens vers Allah azza wa jal. Demande pardon à Allah, demande à Allah azza wa jal de t'aider à poursuivre dans le bien. Allah azza wa jal, lorsqu'il nous donne des ordres, il le dit toujours avec le sens de la constance dans l'ordre. Ya ayyuha alladhina amanu taqullah, ô vous qui avez cru, craignez Allah, c'est-à-dire en permanence. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant entièrement musulman. Vivez entièrement musulman, vivez dans l'islam. Ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa, ô vous qui avez cru, rentrez pleinement dans l'islam. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, et ne suivez pas les pas du diable. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous le bien. Celui qui veut Allah, Jalla Jalalu, qui sache que Allah est présent. Le Seigneur du Ramadan, c'est le Seigneur en dehors du mois de Ramadan, c'est Allah Jalla Jalalu. Celui qui s'accroche à Allah, il ne désobéira pas. Il n'y a pas de péché si on ne se décroche pas, si nous-mêmes on ne se détache pas d'Allah. En effet, Allah Azza wa Jalla nous dit, Dans le Coran, il nous dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Celui qui s'est accroché à Allah, alors celui-là a été guidé sur un droit chemin. C'est-à-dire que dès que tu dévies du droit chemin, et vous voyez dans le mot إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, dans مُسْتَقِيم, vous entendez istiqama. Al-istiqama, mustaqim, c'est celui qui est sur l'istiqama, c'est-à-dire le chemin de la constance. C'est ce chemin aussi qu'on demande dans Surat al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-moi sur la voie constante, sur la voie droite. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala dans chaque rak'at de chaque prière, le fait qu'il nous guide sur le chemin de la constance vers lui. Alors comment atteindre cette constance? Eh bien, pour atteindre cette constance, premièrement, entretenir la foi, mes frères et sœurs. Voyez, celui qui avance vers Allah, c'est celui qui se pose des questions au sujet d'Allah. Et il y a une question qu'il est important de toujours se poser, de ne jamais cesser de se la poser. Cette question, c'est « Man Rabbi ?» Qui est mon Seigneur? Il faut se poser cette question en permanence jusqu'au jour où les anges dans la tombe poseront cette question, qui est la première question « Man Rabbi ?» Qui est ton Seigneur? Si tu te poses cette question toute ta vie et que tu cherches la réponse, tu pourras répondre à la question Man Rabbuk, qui est ton Seigneur. Mais si toi tu t'es posé la question une fois, que tu as lu le Coran une fois, que tu as lu quelques livres sur la croyance une fois, que tu as lu les récits des prophètes, voilà, une fois, tu as appris que Allah Azza wa Jal avait 99 noms, allez, disons que tu as appris ces 99 noms, que tu as compris qu'Allah c'était le créateur des cieux et de la terre, le roi de l'univers, bon voilà, ok. Non. Le cœur a besoin toujours de se rappeler. Le cœur a besoin toujours de rechercher la connaissance d'Allah Jalla Jalalu. Deux personnes qui récitent la même parole, mais n'ont pas le même degré de compréhension. Dans combien de versets Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il est Rabbus Samawati wal Ard, qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre? Il y en a qui, lorsqu'ils récitent ce verset, leurs cœurs sont bouleversés. Il y en a qui, lorsqu'ils récitent ce verset, leurs cœurs sont distraits, ils sont ailleurs, ils sont insensibles. Est-ce que les deux intellectuellement ont compris que Allah est le roi des cieux et de la terre, le Seigneur des cieux et de la terre? Oui, mais avec le cœur. On parle de la connaissance du cœur. Ce cœur a besoin toujours de renouveler la connaissance d'Allah. Donc toujours se poser cette question. Si tu veux avancer,
et rester constant dans ta croyance, dans ta foi, dans ton adoration, dans le bien que tu fais et dans ta patience face au péché, alors continue à entretenir ta croyance, continue à entretenir ta question, ton questionnement, qui est mon Seigneur. Le verset ne dit-il pas « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu » ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et ensuite ont pris le chemin de la constance. Donc d'abord, mon Seigneur est Allah. Qui est mon Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Et ensuite, ils ont pris le chemin de la constance. Alors, gardez toujours ce questionnement. Qui est mon Seigneur? Qui est mon Seigneur? Ya Allah, montre-toi à moi. Pas montre-toi à moi dans le sens que on dit les Béni Israël à Moussa, on ne croira pas jusqu'à ce que Allah se manifeste à nous de manière claire. Non. Mais Ya Allah, montre-toi à moi, c'est-à-dire montre-moi tes qualités. Ya Allah, permets-moi de te connaître davantage. Ya Allah, permets-moi de me rapprocher de toi aujourd'hui. Ya Allah, donne-moi des signes qui m'indiquent que tu es avec moi, que tu me vois, que tu m'observes. Permets-moi de sentir ta présence. Voilà, de ce genre de choses. Demandez à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibrahim, alayhi salatu wa salam, Allah lui a montré la création des cieux et de la terre. Il lui a montré l'univers, il lui a permis de méditer. Et Ibrahim, alayhi salam, quand même, il arrive un jour où il dit, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Seigneur, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Et Allah lui dit, awalam tu'min, mais n'es-tu pas croyant? Il dit, bala, bien sûr que si. Walakin liyatma'inna qalbi. Mais pour que mon cœur s'apaise. Vous voyez, pour que mon cœur s'apaise, ça ne veut pas dire qu'il avait un doute, qu'il fallait qu'il apaise ce doute. Non. Ibrahim al-Khalil, il est bien au-dessus de cela. Mais le cœur, il s'apaise toujours davantage dans la connaissance d'Allah. Donc il a voulu voir s'émerveiller davantage encore devant la puissance d'Allah. Il a vu la création, il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un seul créateur et un seul maître de cet univers, mais maintenant il demande, Ya Allah, je sais que tu donnes la vie et la mort. J'en ai la foi convaincue, mais Ya Allah, permets-moi de m'émerveiller encore. Montre-moi comment tu donnes la vie et la mort. Alors Allah Azza wa Jal lui dit, prends 4 oiseaux, éduque-les, apprivoise-les, ensuite sur chaque tuilet et ensuite sur chaque montagne pose, c'est-à-dire il fallait qu'ils mélangent les corps en fait après les avoir tués, qu'ils mélangent leurs boyaux etc. sur 4 montagnes différentes et ensuite appelle-les à toi et tu les verras revenir vers toi. Et c'est ce qu'il a fait et ensuite il a vu les oiseaux revenir vers lui vivants après qu'il les ait lui-même tués et vraiment il a dit Allah Azza wa Jal, c'est lui le puissant, le sage. Et ça a augmenté encore sa foi. Ne jamais se satisfaire de son niveau de foi. Tu veux la constance, ne te satisfais pas de ton niveau. Dis-toi toujours que tu peux encore évoluer vers Allah. Tu peux encore avancer vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Autre point, si tu veux la constance, alors prends conscience de toutes les causes en toi, de toutes les maladies qui te font dévier. En effet, tous nous avons un nefs. Et notre nefs est différent, chacun l'un de l'autre. Mais tous, nous avons nos points faibles. Cherche en toi, regarde en toi. Quel est mon point faible? Quel est ton point faible? Toi, le jeune qui veut te marier, tu sens que ton point faible, c'est l'attirance vers les femmes? Ou toi, la jeune qui veut te marier, tu sens que ton point faible, c'est le désir d'être accompagné dans ta vie? Et que tu as tendance à pencher, tu veux une relation, coûte que coûte, tu veux entretenir une relation de couple, même en dehors du mariage? Alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a en toi? D'où ça vient? Est-ce que c'est un manque affectif? Si un manque affectif, pourquoi il y a ce manque affectif? Cherche à le guérir. Si il y a autre chose, s'il y a la crainte, tu as peur de ne pas te marier plus tard? Tu n'as peur de ne pas trouver la bonne personne? Tu te sens seul? Quelle est la cause? Cherche la cause. Guéris la cause. Patiente. Et fais les causes que la religion t'enseigne. Par exemple, si c'est le mariage, jeûne, les jeûnes surérogatoires. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala la patience et cherche à te marier de la meilleure des manières, pas en demandant juste à Allah un époux ou une épouse pieuse, mais en demandant à Allah de faire de toi un époux ou une épouse pieux ou pieuse. Si tu sens que voilà, ton péché il est plutôt lié à l'argent, que tu as envie de gagner beaucoup d'argent et que tu as tendance à dépasser les limites dans la manière de gagner cet argent, que tu as une activité par exemple commerciale et que tu as tendance, tu es tenté de ne pas donner toujours les défauts de tes marchandises, alors reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelle-toi que c'est Allah qui donne la subsistance. Entretiens ta croyance sur le fait que Allah c'est lui le Razzaq. Et regarde en toi, pourquoi est-ce que tu as peur?
Pourquoi est-ce que tu as peur de la pauvreté? Ou alors, pourquoi est-ce que tu es avide de richesse? Est-ce que tu crois que c'est à travers que l'argent se fait le bonheur? Est-ce que tu ne vois pas tous les gens qui sont riches et qui sont pour autant malheureux? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que à travers l'argent tu veux t'élever, tu veux montrer que tu as? Ah, et pourquoi est-ce que tu voudrais montrer que tu as? Est-ce que tu as un besoin de reconnaissance? Tu as besoin de voir le regard des gens sur toi? Et pourquoi est-ce que tu as besoin de ce regard? Est-ce que c'est parce que justement tu manques de confiance en toi et que tu as besoin du regard des gens pour t'élever? Recherche la cause et soigne la cause. Ainsi, Inch'Allah ta'ala, tu vas plus facilement patienter face à la désobéissance et tu vas avoir moins de chances de dévier. Pose-toi les bonnes questions. Cherche la faille qui est en toi et essaie de répondre à ton besoin, mais au vrai besoin, pas juste le besoin superficiel qui est un symptôme d'un besoin plus profond, d'un besoin plus intérieur, d'un besoin plus caché. Donc mes frères et sœurs, la constance, recherchez toujours qui est mon Seigneur. Deuxièmement, se poser les bonnes questions. Troisièmement, restez attaché au Coran. Restez attaché au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Chaque fois que tu dévies, tu lis le Coran, il te ramène sur le droit chemin. Chaque fois que, subhanallah, que ta compréhension de la religion dévie, tu reviens vers le Coran, et si tu le fais avec méditation, et tu poses vraiment tes questions dans ton cœur à Allah avant d'ouvrir le Coran, tu trouveras la réponse. Subhanallah, un jour, et je vous partage ça avec vous, un jour, j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie, et je me suis posé la question, subhanallah, Ya Allah, est-ce que c'est parce que mon argent est haram? Il y a un moment où, subhanallah, les gens me donnaient énormément d'argent pour le fait que je leur faisais la ruqya. Je leur récitais le Coran, c'était une cause de guérison pour eux, et ils me donnaient de l'argent. Il y a un moment où je me suis retrouvé avec énormément d'argent et j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce que c'est normal que j'ai tout cet argent? Est-ce que tous mes problèmes ils viennent de ma subsistance? Peut-être que toute ma subsistance n'est pas halal. Alors j'ai demandé à Allah. Et wallahi, mes frères et sœurs, j'ai ouvert le Coran. J'ai dit, Allah, montre-moi. Est-ce que le problème c'est l'argent? Wallahi, est-ce que mon problème c'est le fait que mon argent n'est pas halal? J'ai ouvert le Coran. Wallahi, le premier verset, la première page sur laquelle le Coran s'ouvre, le premier verset de la page, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été évoqué? Je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Directement la réponse. Subhanallah. Vis avec le Coran. Ouvre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Toutes les questions, toutes tes inquiétudes, recherche la réponse dans le livre d'Allah. Le livre d'Allah, subhanallah, c'est la parole d'Allah, azza wa jal. C'est pas une créature morte. C'est pas une créature du tout, le livre d'Allah. C'est la parole d'Allah, le vivant, l'éternel, jalla jalalu. Il répond au cœur. Il répond à ton âme. Allah y a mis tout ce dont tu as besoin dans ton cœur. Alors, ouvre le livre d'Allah. Recherche. Garde un lien avec le livre d'Allah. Tous les jours, garde une constance dans le fait de l'ouvrir. Il y avait des actions que tu as commencées pendant Ramadan et que maintenant tu sens que tu délaisses, ne panique pas. Si tu n'arrives pas à faire la même quantité d'actions, au moins garde une partie de cette action pour avoir gardé quand même un lien avec cette action et garder une constance. Par exemple, tu avais l'habitude de lire 10 pages ou 20 pages de Coran par jour, ne passe pas une journée sans avoir lu au moins un verset. Ne serait-ce qu'un verset, une ligne, juste tu ouvres le Coran, tu le regardes, tu lis ce verset. Tu remercies Allah. Et si tu remercies Allah, Allah va te rajouter. Tu avais l'habitude, par exemple, de prier la prière de nuit. Après Salat al-Aisha, tu avais l'habitude de faire Tarawih, de faire plusieurs rak'at. Ok. Garde au moins la constance de faire deux rak'at. Et de prier Salat al-Witr. Après Salat al-Aisha, s'il le faut, si tu sais que tu risques de ne pas te réveiller avant le Fajr. Mais garde la constance dans cela. Même des rak'at très courtes. Même au pire, tu les fais assis. Tu as le droit de prier assis. Les prières surérogatoires, même si tu n'as que la moitié de la récompense. Mais ne délaisse pas totalement l'action. Toi qui avais l'habitude de prier 11 rak'at, maintenant tu vas dire, oh, j'ai délaissé cette action, j'arrive plus. Non, prie au moins 3 rak'at. Chef, wal-witr. Prie au moins une rak'at. Salat al-witr en une rak'at. Mais ne délaisse pas l'action dans laquelle tu étais. Donc, mes frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui disent tout ou rien. Car celui qui dit tout ou rien, en réalité c'est son orgueil qui est en train de s'exprimer. Il n'arrive pas à supporter la diminution, alors il préfère délaisser totalement plutôt qu'être confronté à son manque. Plutôt qu'être confronté au fait qu'il fait moins qu'avant. Il préfère totalement délaisser, subhanallah. Fais face à ton orgueil. Accepte le fait que tu as des manquements. Et demande à Allah, Ya Allah, je suis pauvre. Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, je suis dans le manquement. Ya Allah, je n'y arrive pas.
Mais ya Allah, je te remercie pour le peu que tu arrives à me faire. Aide-moi à faire mieux, aide-moi à faire plus. Et vous allez trouver, mes frères et sœurs, l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Toi qui, depuis la fin du Ramadan, tu as tout laissé du bien que tu faisais pendant le Ramadan, il n'est pas trop tard. Reviens vers Allah, Jalla Jalalo. Reprends les actions. Dès maintenant, tu avais l'habitude d'évoquer Allah le matin et soir. Évoque Allah Azza wa Jal. Dès maintenant, tu avais l'habitude de lire Surat al-Kahf pendant le vendredi, pendant le Ramadan. On est vendredi. Ouvre le livre d'Allah. Lis Surat al-Kahf. Tu n'arrives pas à la lire en entier? Ma'alish. Lis au moins les 10 premiers versets. Lis au moins les 10 derniers versets. C'est des versets dans lesquels il y a des mérites particuliers qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, le fait d'être protégé contre, que c'est une protection contre le Dajjal, contre l'Antéchrist, lorsqu'il apparaîtra. Alors mes frères et sœurs, ne délaissons pas le bien. Soyons constants. Allah tabaraka wa ta'ala est l'éternel, le vivant qui ne meurt pas. Celui qui veut de la stabilité dans sa vie, alors qu'il fasse des bonnes actions avec constance. Et qu'il renouvelle son intention et que ses actions soient pour Allah. Si tu fais des actions pour Allah et que ton intention est sincère, si tu fais des actions pour l'éternel, Allah Azza wa Jal te donnera, je ne sais pas comment vous le dire, mais Allah Azza wa Jal te laissera une trace d'éternité dans les actions que tu fais. Tu vas profiter d'une certaine constance dans les bienfaits dont tu profites et dont tu jouis d'Allah Azza wa Jal. Et s'il y a une chose dans laquelle, deux choses dans laquelle il faut être constant, la demande de pardon et le repentir à Allah Azza wa Jal et le remerciement pour ses bienfaits. Car si on demande pardon à Allah Azza wa Jal, alors il efface nos fautes et nous permet de revenir vers lui. Et l'un des châtiments du péché, c'est le fait d'affaire un autre péché après lui. Donc si on ne demande pas pardon à Allah, on va se retrouver dans un engrenage de péché dont on arrivera peut-être pas à se retirer, on n'arrivera pas à en sortir. Et le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, car le fait de remercier Allah pour ses bienfaits, c'est une cause que les bienfaits augmentent sur nous. Et quand je dis remercier Allah, pas seulement remercier Allah pour la nourriture, la boisson, pas seulement le fait de dire Alhamdulillah pour le nouveau vêtement ou la nouvelle voiture qu'on a achetée ou les nouvelles choses qui nous arrivent, mais de dire Alhamdulillah aussi pour le bien, pour les bonnes actions. Tu as prié de rak'at, tu as fait salat subh ce matin à l'heure. Remercie Allah, ya Allah, c'est toi qui m'as permis de prier, c'est toi qui m'as permis de me réveiller. Tu as prié salat adh-dhohr à l'heure, ya Allah. Je te remercie. Ya Allah, c'est toi qui m'as permis de prier cette prière. Tu as réussi à lire une page du Coran. Ya Allah, c'est toi qui m'as permis. Je te remercie. Rajoute-moi, ya Allah. Je suis faible. Si ce n'est pas par ton bienfait, je n'y arriverai pas. Et de cette manière-là, Allah te rajoutera en permanence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, vous rapproche de lui, qui vous permette d'être constant. Et qu'Allah vous permette d'être de ceux qui profiteront de cette promesse qu'Allah azza wa jal cite dans le Coran. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et qui ont pris le chemin de la constante, « Thumastaqam », les anges descendent sur eux par vagues successives. Les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de la mort ou bien au moment de la sortie de la tombe au jour de la résurrection. « Nulle crainte sur vous, ni tristesse. Nous sommes vos alliés dans le bas monde et dans l'au-delà. Et vous y aurez, et voici le paradis qui vous était promis. Vous y aurez tout ce que votre âme désire. Et tout ce que vous demanderez comme accueil d'un pardonneur noble, Rafourin Rahim, d'un pardonneur miséricordieux, Jalla Jalalo, Nuzulamin Rafourin Rahim. Mes frères, cette promesse est pour ceux qui ont cru et qui ont pris le chemin de la constance dans le bien. Qu'Allah Azza wa Jal vous rajoute en bien, qu'Allah nous fasse de ces gens-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.